Mesdames et messieurs, je vous remercie encore d'être présents alors que vos estomacs doivent crier famine. Pour assister, comme vient de le dire Sandrine, à un exercice assez rude pour une néophyte que je suis, celui des propos conclusifs. Donc, je m'excuse un petit peu d'avance. Je vais essayer d'être rapide et concis parce que les échanges ont été très riches et nombreux. Donc je remercie encore l'université et le large pour leur soutien dans ce bel événement. Caroline Bouix pour l'opportunité qu'elle m'a offerte de co-organiser cette matinée d'études, merci. Au professeur Sandrine Sana pour sa bienveillance dans l'animation de ces tables rondes et surtout tous les participants et le public d'avoir répondu présent, d'avoir partagé votre quotidien qui pour moi est une précieuse contribution à la recherche. Aujourd'hui, il vous était proposé de marquer les 10 ans du transfert du droit civil. À l'accoutumée, on va souffler les bougies, chanter. Mais là, on l'a fait autrement. On s'est posé sur cette natte qui est l'université pour pouvoir échanger. Et pour ça, je trouve, et je pense qu'il est important de rappeler le contexte et l'état d'esprit du transfert de compétences, qui était à l'époque un accord politique. À l'origine, un transfert normatif, et on a vu l'expérience qu'en fait, ça a été d'abord davantage une mission, les premières années, qui a porté sur l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie, qui manquait et qui n'avait pas forcément des moyens humains ni les compétences pour le faire, avec un coût financier qu'on peut supposer très important, et aussi des relations collectivité compliquée, on l'a vu avec le registre de l'état civil, les problèmes qu'il y a pu avoir avec les communes juste pour harmoniser un document administratif. Si la principale crainte était le décrochage avec le droit métropolitain et l'insécurité juridique, on voit que la pratique a essayé de pallier ça et a pu céder grâce à l'ordonnance de 2013. De tous les textes, on l'a vu que c'était une ordonnance balai, alors même que le droit était déjà fossilisé par le principe de spécialité législative. Ça a été une mise à jour du droit calédonien et on peut saluer l'outil qui a été développé et qui est tenu par l'ADAJ, notre célèbre et outil juridique, Juridoc. Concernant le bilan, Caroline Bouix l'a rappelé, si on ne peut compter que 8 lois du pays en matière de droit civil, Madame Idbout Kassem nous a rappelé qu'elles ont été prises dans des thématiques bien précises. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit selon les réalités du terrain, et au contraire, ça a été selon les intérêts, soit des membres du gouvernement ou du Congrès. On peut parler par exemple des droits des assurances ou des baux ruraux. S'il a été rappelé également que les frontières sont poreuses entre les différentes matières, que ce soit le pénal, la procédure civile ou même le droit civil, on voit qu'elles sont intimement très liées. On a vu aussi la place que le juge peut occuper dans la résolution de certains litiges et on vient de débattre sur le problème des règles de conflit interne. Qui laisse du coup de la place au juge de prendre certaines libertés et donc créer par exemple des règles de conflit de droit interne, alors que c'est, comme on vient de le rappeler, la place du législateur organique. On comprend et on perçoit qu'il y a plus en plus de situations conflictuelles et que le droit civil pourrait venir régler. Et on sent derrière des enjeux humains et matériels qui sont de plus en plus importants. Mais on peut se réjouir que, et ça c'est ce qui a été rappelé, que le fait d'avoir un droit qui n'évolue pas, on peut maîtriser les règles et la jurisprudence à l'avance, que la liberté contractuelle est beaucoup plus grande en Nouvelle-Calédonie et que la place et la volonté des parties est ce qui domine le plus les relations contractuelles. Si l'on peut regretter que la protection des parties faibles au contrat
et bien moins importante que celle de métropole, on a pu quand même retenir qu'il ne fallait pas faire de copier-coller, mais qu'il était question d'opportunités dans la construction du droit des obligations et des biens, que c'était des choix politiques, mais qu'il y avait, je pense qu'on se fera tous la volonté de rendre ce droit plus visible, et on appelle, je réitère le vœu qui a été formulé par la directrice de l'ADAGE, d'avoir un droit plus visible et en ayant accès aux décisions du tribunal de première instance et de la cour d'appel, je pense que nous serons tous d'accord sur cette demande. Concernant le droit de la famille, on a pu comprendre que le multiculturalisme, le pluralisme juridique qui nous caractérise, porte énormément d'opportunités, que ce soit et d'ouverture de questions sur le statut civil calédonien qui a été et qui a toute sa place dans le nouveau et le futur statut calédonien. Et on peut, et ce qui est très pertinent et qui l'a été vraiment souligné, c'est qu'on se retrouve dans une situation où les personnes de statut civil coutumier peuvent être, et par adéquation avec celui, et créer des conflits avec les personnes de statut de droit commun. C'est vrai que dans le cadre de ma thèse, je n'étais pas allée aussi loin, et je vois que ces interactions, ces règles de conflit, on a tout un champ des possibles. Et je pense que le futur statut devrait s'attacher à créer ces fameuses règles de conflit, et au pire, je les mettrai dans ma thèse. Donc, ça peut être aussi un sujet de développement. Enfin, pour conclure, là où on est, c'est l'actualité aussi, comme l'a rappelé Caroline, les transferts inversés, où on va conditionner peut-être éventuellement le transfert inverse, donc que la Nouvelle-Calédonie retransfère une compétence. Je pense que Léa Havard et même Mathias aura des timos et des articles, puisqu'il est prévu de réécrire et de réviser la Constitution, à voir ce que nous dira l'avenir. Pour ma part, et notamment pour ma thèse, on parle aussi dans ce fameux document martyr de revoir l'exercice partagé en matière de relations internationales. Quid alors des conventions internationales en matière civile qui auraient pu être étendues soit ou pas, applicables ou non par la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, à voir ce que ça va pouvoir engendrer ces fameuses questions institutionnelles. Pour conclure, donc, je voudrais encore remercier les intervenants. Tous les intervenants, Caroline, surtout, merci. La Nouvelle-Calédonie est un laboratoire juridique à ciel ouvert où la construction du droit civil local est toute récente, alors qu'en France, on a des siècles de pratiques. Je voulais conclure sur une image qui, tout au long de cette matinée m'a irriguée, que notre droit civil est un enfant qui a 10 ans aujourd'hui, qu'il faut aider et qu'il faut l'accompagner à grandir. On a pu sentir au travers des échanges qu'on a tous à cœur de le faire évoluer, que ce soit par le dialogue, par l'organisation de colloques, par la participation active à ce travail. Et je pense que cela caractérise au mieux le mieux notre territoire et que ça nous donne de l'espoir pour le futur statut institutionnel. Merci.